On est dans le deuxième kitsur au Shulchan Aruch, dans la halakha Taf Resh Pirhet. Selon le Kriyat Megillah, quand est-ce qu'on doit faire Purim aussi? On dit le Rav dans la halakha Tet, Motoshab, Echad, Miare, Perazot, Kegon, Tel Aviv, Obne Brak, Shebelel Yudalet, Vubeyom, Yudalet, Beadar, Vabokir, Beshat, Amud Ashachar, Aya Beiro. וקיים וקיים את כל מצוות הפורים בליל י"ד וביום י"ד ובליל ט"ו אדר או במשך היום הגיע לירושלים ושוהה שם עד עמוד השחר כל של יום ט"ו. דעת הרבה מהפוסקים הראשונים והאחרונים שאינו צריך לחזור ולקרוא את המגילה בירושלים אחר שכבר קיים את כל מצוות הפורים בזמנו כפי מנהג עירו ושאר מקומו, וכן אינו צריך לחזור ולקיים מצוות משלוח מנות, מתנות ולבנים, ורק אם עקר דירתו בליל ט"ו אדר ושועה בירושלים בעמוד השחר של ט"ו אדר, רק אז נחשב כמוקף בן יומו, שנחשב כמוקף. יש מי שחולק בזה, ועיקר לדין הקצבה הראשונה, בכל מקום הרוצה לחוש ולהחמיר ולחזור ולשמוע מגילה ביום ט"ו, תבוא עליו ברכה, אך אינו יכול להוציא אחרים ידי חובת מקרא מגילה. Alors maintenant il nous dit le Rav que un que lui qu'il est selon les villes qu'il lise le 14 la Megillah. Ça s'appelle Are Aperazot comme Tel Aviv, Bnei Brak. Puisque maintenant il lise le 14, la nuit du 14 et le jour du 14, bien. Et parce qu'il se trouve là-bas, et il a fait Purim, la mitzvah de Purim, tous les mitzvot. C'est quoi tous les mitzvot de Purim? C'est un, c'est Mikra Megillah, après maintenant la Elyoné, Mishloach Manot, et la Seuda. Ok? Puisqu'il a fini maintenant les mitzvot, alors il nous dit le Rav, si le Tetvav, le 15 Adar, okay. Pendant la journée du 15 Adar, il est parti à Jérusalem. Il est resté là-bas. Ad Amud Ashachar chez Yom Tedvav, jusqu'à l'aube du 15 Adar. Dat Arbe Aposkim. Il y a beaucoup de Chachamim qui disent que lui, il n'a pas besoin maintenant de relire la Megillah. Puisque maintenant il est déjà rendu quitte, il a déjà fait Mikra Megillah, il a fait Purim, il a fait tous les mitzvot, alors il est rendu quitte. Les reines, les notes, les hommes, même aussi les Mishlor, Manot, Matyot, les Evionim, il est rendu quitte. Les reines, et ainsi aussi, si maintenant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de chez lui la nuit du 15, il est resté à Jérusalem, par exemple, jusqu'à l'aube. Alors il nous dit le Rav, Rakaz, seulement il s'appelle Mukaf Ben Yomo. Qu'est-ce que ça veut dire Mukaf Ben Yomo? Mukaf Ben Yomo, ça veut dire que lui, il est censé à faire les mitzvot de Purim de Jérusalem. Parouz Ben Yomo Nikra Parouz, c'est celui-là que lui se trouve pendant la journée, c'est-à-dire avant l'aube, en dehors de Jérusalem. Alors là, il est considéré comme Paros Ben Yomo. Il doit faire tous les mitzvot le 14. Mais, maintenant, Mukaf Ben Yomo, ça veut dire que c'est une ville qui était entourée de murailles. Si maintenant lui, il est arrivé avant l'aube, c'est-à-dire qu'il était déjà la nuit à Jérusalem, alors lui, il doit faire maintenant les mitzvot le 15 à Jérusalem. Alors, puisque maintenant il est arrivé à Jérusalem déjà la nuit, alors il doit faire maintenant tous les mitzvot du 15 de Jérusalem. Le matin, la nuit déjà, il arrive la nuit, il doit faire Mikra Megillah la nuit. Et après le matin, il doit faire Mikra Megillah. Et maintenant, il va venir Meshloach Manot et aussi la Seuda. Comme ça, il y en a des chassidim qui font comme ça. Les chassidim en dehors de Jérusalem, eux, ils font le 14 chez eux. Comme ça, par exemple, à cela, à Bnei Brak. Et le Admor, il se trouve à Jérusalem.
Après qu'ils ont fini la Seouda à la maison, pas la voiture. hein, Ils prennent pas la voiture. ils ne prennent pas la voiture, il y a des bus spéciaux qu'ils les emmènent à Jérusalem chez l'Admor, et ils continuent la fête. On verra maintenant, on va au niveau de la Seouda. C'est pas évident de se saouler. Il y a des poskim qui disent que c'est pas conseillé, Bichla. C'est pas conseillé. Tu veux faire la mitzvah? Fais la mitzvah. Si maintenant tu veux faire bien, bien, bien la mitzvah, si tu as un chômeur à côté de toi, quelqu'un que lui qui boit pas, et si tu veux faire, d'après certains poskim, d'après beaucoup des poskim, comme le Prix Megadim, il dit clair que c'est sûr qu'on n'a pas le droit de boire pour être saoul. Ah, Maran Shulchan Aruch, il nous dit, Hayav Inish, Nebisume Bepuria, Ad Delo Yada. Il y a beaucoup d'explications. Nebisume, c'est écrit. Avec Loli Ishtaker, Prix Megadim, il pose une question, il dit, comment c'est possible? Dans tous les misotes, on n'a pas vu une chose pareille. Dans la Torah, elle te dit, ne pas boire du vin, ne pas être ivre. C'est affreux d'être ivre. Alors comment on permet? Top, il y a des explications comme ça, il y a des explications autrement. Il faut savoir qu'il y a des explications d'après cela qui disent le Zohar à Kadosh, lui dit, il y a un endroit dans les sphères célestes que seulement quand un homme il boit pourri et il arrive à une nekouda, une pointe, quand il boit, okay, il n'est pas ibre. C'est pour ça que Maran Shoran aurait dit, Bissoumé, c'est quoi le Bissoumé? C'est de se parfumer. C'est-à-dire qu'il arrive à un stade qu'il n'est pas saoul, mais il n'est pas aussi non pas saoul. Et ça s'appelle, c'est un nekouda, ils disent, d'après les Mekoubalim, ça s'appelle sod. Mishoshote, c'est quoi? Yatsa, sod. Il arrive à cette nekouda de sod. Là, c'est seulement qu'un homme qui est intègre, il est dans la Avodat Hashem, comme il faut. Là, d'accord. Il sait se contrôler, mais là, il peut arriver et il peut atteindre des niveaux énormes. Mais sinon, non. Comme nous, on est simple, on n'est pas Mekoubalim. Alors, tu bois un verre de plus et sans plus. Pour moi, ça a été fixé à nous d'achat, celui qui doit faire comme une dalette ou comme des. Pourquoi doit faire une d'achat? Pourquoi pas le C'est pourri? écrit Parous Ben Yomo, Mazel Ben Yomo, Mazel Yom. Yom, si tu es pas yom, alors Elochataygatala yom. Si tu arrives maintenant au milieu de la journée ou à 8 h du matin, ça s'appelle pas yom. Ça s'appelle yom, alors on écrit Ben Yom. Quand tu t'appelles Ben Yom, quand tu as Vaïe Boker, Yom, Echad. Oh, quand tu as le avant l'homme. Dis le soir. À C'est partir ça. du Chiyuv, à partir du moment où il rentre. Pourquoi pas Miksat Yomo Kekulo. Vas-y, Miksat Yomo Kekulo. Un peu de meilleur pour les bar mitzvah. Un homme, il a un enfant, il a 13 ans et un jour. Comment 13 ans et un jour? Mais lui, il est né à 4 h du soir, l'après-midi, par exemple en hiver. C'est presque la sortie des étoiles. D'accord? Quand même, quand est-ce que tu fais la bar mitzvah? La veille, la nuit, à la tombée de la nuit déjà. Comment? Mais si tu vas compter les heures, il n'est pas. Il n'est pas encore, il n'a pas encore 13 ans. Il a 13 ans et moins quelques heures. Comment tu fais bar mitzvah? Miksat yomo kekulo. Puisqu'il y a un peu du yom, c'est considéré comme toute la journée déjà. Ici, c'est quoi? Puisque maintenant dans la nuit, tu es déjà là. Et t'as la nuit, réveillez vos yom et chat, c'est le jour. Mais là, ben yomo, parouz ben yomo, nikra parouz, parou, mukav ben yomo, nikra. Moukaf, puisque maintenant tu étais avant l'aube à Tel Aviv, alors tu dois et tu restes après l'aube à Tel Aviv, mais là tu lis le 14. Il nous dit le Rav, Yashmi Shecholek, Bazé, et selon la halakha, il nous dit, il y en a qui disent que non, ils ne sont pas d'accord, et selon la halakha, elle est comme qu'est la première version. De ne pas faire. Hein? De ne pas faire. Maintenant, Rav, quand il Mikol dit Makom, qu'il finit la halakha, on dira à tout, c'est qu'il a c'est déménagé. une seconde. Ou Mikol Makom, alors c'est la rouge, la rime, la zove, les chmois. Un homme que lui, que puisqu'il est arrivé maintenant le 15 à Jérusalem, et lui maintenant il se dit, attends, je vais faire maintenant quand même le deuxième pourim,
tu veux lire la Megillah, écoute la Megillah, le 15, d'abord la bracha. Ah, par contre, lui, il n'a pas le droit de rendre quitte les autres. Parce que sauf, il y a des postes qui disent que toi, tu es déjà rendu quitte. Oui, Rouven. Je vous ai demandé, quand il écrit Akar Dirato, ça veut dire qu'il a déménagé? Non, non, non. Mais c'était Akar Dirato. Il est parti ailleurs. Comment c'est le cas, là, il est parti ailleurs. Où tu vois? Raki Makar Dirato Bellel, Kavana qui est parti la nuit de Tetva. Akar Dirato Kavana, la dour, c'est d'habiter, pas Dirato sa maison. T'as vu? Mazé, la dour. La dour, c'est habiter. Et quoi? La maison, elle habite ou toi tu habites? Toi, t'habites. Alors, c'est dire. Donc, t'es parti dormir chez ton cousin. Voilà, exactement. T'es parti à Jérusalem, t'es arrivé, bah, c'est le cas. Ah bon, mais... non, c'est l'air. Mais pas ta maison, tu as déraciné ta maison. C'est pas que tu es parti habiter. J'ai pas compris. On dirait qu'il se répète alors, si vous me dites comme ça. Parce qu'il a parlé de ça. Il a dit, s'il a fait la fête à Tel Aviv comme il fallait. Et après, il est parti à Jérusalem, il est arrivé pour les horaires de Jérusalem à Jérusalem. Quand le Tetvav. Il est arrivé. Tetvav le matin. Non, il est arrivé Tetvav l'après-midi. Hop, hein. C'est l'autre. Il y a les Oshayim et Shoei Sham, il m'a bouddha Shachar chez Yom Tetvav Adar. Ah. C'est l'Ifné à Ok, dans un premier temps, il a parlé s'il est arrivé avant à Moudha Shachar. Voilà. Oui. Et dans un second temps, s'il est arrivé Tetvav avant la tombée de la nuit. Ben Ir, Ken. Ben Ir, Shikara, Megillah, Beyot, Dalet, Kimina, Giro, Velaïla, Nassal, Yerushalayim. Au revoir, Yom Tetvav, Rotzela, Alot, Sefer Torah, Parashat, Yavo, Malek. Hadgala, lo yale. Kevan, Sheen, Ze, Yom, Purim, Shelo. Alors il doit faire s'il a fait ça. Il doit faire s'il a été au Kir Dirato, Belel Tetvav. Si Lel Tetvav. Ça veut dire qu'il a fini mercredi. Ça dépend. Disons c'était un mercredi, la journée. S'il est rendu quitte de la Kriya Megillah le 14, il a fait tous les mitzvot. Il a tout fini, 14 à Tel Aviv. Eh ben, t'es rendu quitte, gamin, non? C'est d'air, mais il dit dans un cas où il est parti juste après, à 3h de l'après-midi, mercredi, c'était Yudalet. Il a fini son Michelet, il a dit à sa femme et ses enfants, venez, on va à Jérusalem maintenant faire la fête avec tout le monde. Il arrive pour l'heure de la Megillah là-bas, le soir. Dans un cas comme ça, s'il dort là-bas, il mange avec eux, il dort là-bas, il se lève à Moudah Shachar, il doit tout faire la mitzvot. Il y en a qui disent qu'il doit faire tous les mitzvot. Et il dit, Karavaikar, les dinak, Zvare Rishona. Zvare Rishona, c'est ça. Pas la Zvare Rishona. Oui. Vera ki makar derato belel tetvav. Adar vechou et Bérouchelem, Mahmoud, la Shachar, Tetvav. Rak az nirchav, mon kaf, ben yomosh, nirchav. כמוכתב. כן, כן. ויש מי שחולק. והעיקר לדינה, מי יש מי חולק, זה לדוזן דברה. בסדר, בסדר. אלא ידוע פר, אני אקרא כמצא. היא פה חייב. היא פה פר. היא לפה חייב. Pourquoi il peut? Il y a des postes. Il y en a des postes qui disent qu'il est déjà rendu quitte, gamin. Il est rendu quitte, ça fait le 14. Il n'a pas fait d'avéra s'il ne veut pas. Non, vidéo. Mais là, il y a ses bracha. Et il ne rendra pas quitte les autres. Voilà. Pas d'accord. Ben Ir, Shekara Megillah Biyudalet Keminag Iro, Venasa, Valaila Nasal Yerushalayim, Voker Yom Tetvav, Rotzel Alot et Sefer Torah, Veparashat, Veyavo Amalek, Lechatkila Lo Yale, Kevan Shehen Ze Yom Purim, Shelo, Velikat, Vekriat Megillah, Esha Mizvot Anoagim Bepurim. Mikom Akom, Imkerao Beshmo, Moshe Noagim Ashkenazim Alot et Sefer Torah, Teachol Alot et Sefer Torah. Alors il dit le Rav, un Ben Ir, un que lui, il lit la Megillah le 14. Et la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Après la Kriyat Megillah, il est parti à Jérusalem. Ou Baboker, le matin du 15, Rotsé, il veut monter maintenant au Sefer Torah, le parachat devait y avoir Amalek. L'acheter. Il veut l'acheter. Les ratrilas et l'oyale, a priori, il ne doit pas monter. Kevan, Shen, c'est Yom Purim Shelo, parce que ce n'est pas Yom Purim Shelo. Lui, maintenant, quand est-ce qu'il doit monter au Sefer Torah? Le 14. Et Shara Mitzvot, Velikiata Megillah, Veshara Mitzvot, Anwagon Purim, Vikol Makom. Si maintenant on lui a dit, Yale Bechavod Abraham Ben Yaakov. Ah, on l'a appelé dans son nom, il est chayab de monter. Il faut savoir, c'est très dangereux. Quand je vous dis dangereux, c'est très dangereux. Très dangereux que si on appelle quelqu'un par son nom, ouais, qu'il ne monte pas au Sefer Torah. C'est pour cela le Gabbai, qu'est-ce qu'il est censé, avant de Bichlal appeler les gens,
ou de ne pas appeler les gens, il dit au bonhomme avant, tu sais, tu vas monter Shlishi. Tu sais, tu vas monter Hamishi. Si maintenant le bonhomme dit, écoute, non, je suis monté déjà hier, je veux pas. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est pas qu'il a refusé. Seulement si on l'a appelé par son nom, alors là c'est un problème. C'est pour cela en Israël, le minag il est Yahamod Bechavod Shlishi. Yahavod Bechavod Hamishi. Ben Ir Sheta Betfilato, Ovir Katamazon Vehamar Alanissim Yom Tetva. Yatsa Ben Ochozer. Un qui doit faire Pourim le 14. Et il s'est trompé. Non, le 15 il a refusé, il continue de dire. Et le 15, lui, il dit à l'anissime dans la tfila, bien, il est encore avec le vin d'hier. Et il a dit à l'anissime dans la birkat Amazon, il est rendu quitte, pas besoin de revenir. Ainsi aussi, un qui doit faire Pourim le 15. Et il s'est trompé, il fait le 15, le 14 à la Nissim, il est rendu quitte. Ben Yir Shikara Megillah Beyom Yud Dalet. Ça est Yom Apurim Beyud Dalet. Que date? Au Beyom Tedvav, Ishkim Ve'ala Yerushalayim. Il n'y a pas de l'aliot Shadiyat Sibot Zerad Lelomar Ve'ala Nissim Ve'hazar Datfila. Le compagnie m'a mis ma elle est Yeme Nissim Nechlal Israel Ve'lo Ebefse. Alors maintenant, un que lui il doit faire Purim le 14. Et il a fait pour le 14, comme il faut, comme les halakhot. Et le 15, il est parti avant l'aube à Jérusalem. Et on lui a dit, Bechavod, monte au Sefer Torah, monte et Chaliat Tzibur. Il est Chaliat Tzibur. Est-ce que lui maintenant, puisqu'il a, il est déjà rendu quitte, est-ce qu'il doit maintenant dire à la tfila, il y a Allah d'ici, il dit le Rav, puisque maintenant ces jours-là, c'est des jours de Nissim, alors il est censé le dire. Il peut le dire. Et ça ne s'appelle pas Efsek. Shaliat Tzibur Yerushalmi Sheuzman, Likor Amigla Betel Tel Aviv Belel Yudaret. Shaliat Tzibur de Jérusalem, qu'on lui a dit à Tel Aviv, viens maintenant lire la Megillah à Tel Aviv, la nuit de 14. Imlan Shamishir al Demacharatsi, maintenant il va dormir là-bas, il va rester là-bas même après l'aube, c'est-à-dire du 14, il peut leur lire la Megillah. Im Choser Boto Erev, si maintenant lui, il va y aller le 14, il leur lit la Megillah, pour la fin de la soirée, il va rentrer à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il ne va pas dormir là-bas. Il n'a pas le droit de leur lire la Megillah. S'il n'y a personne, lui il va rester, il ne peut pas dormir sur place, et il n'y a pas d'autre qui peut lire la Megillah. Il peut lire la Megillah. C'est conseillé que un de la communauté qui prend les brachot. Et le Shaliat Tzibur qui vient de Tel Aviv, il n'a pas le droit de lire okay, à Jérusalem le 15. Il n'a pas lu les brachot, Rav. Comment? Il n'a pas lu les brachot. De qui tu parles? Celui-là qui vient de Tel Aviv, il est de Jérusalem, il est parti à Tel Aviv. Il aura fait la Megillah parce qu'il n'avait pas le choix, il n'y avait pas un autre qui pouvait lire. Il a dit, dans un cas comme ça, c'est mieux que c'est un qui fait les brachot du Kaal, et lui il lit la Megillah. Abaya. Donc Nagin ils ont fait comme ça. Il n'a pas dit les brachot, le Shaliat Tzibur. D'accord. Alors pourquoi il ne peut pas dire aux gens de Jérusalem le soir, le Tetbav? Non, c'est l'inverse. Tu as fini maintenant le cas qu'on a dit de quelqu'un de Jérusalem qui va à Tel Aviv? Et qui revient à Jérusalem. Ah non. Et qui revient à Jérusalem. Non. Ah. Attends, il va revenir, d'accord, mais maintenant c'est un autre cas. On a fini ce cas-là. La dernière ligne, c'est un autre cas? Ouais. Mais non, Shaliat Tzibur, Sheba mi Tel Aviv, tu vois? Ah. Top. Si il vient de Tel Aviv maintenant, lui, il est déjà quand? Il a déjà. Tu vois comment il faut faire avec un Rav? Il ne pas le lire comme ça. Il y en a qui disent, il traduit les halakhot comme. Pour ça, il faut être très très attention. Un homme, il croit que même quand on lit en français, il y en a qui croient qu'ils lisent la halakha
Et tu sais combien de fois j'ai vu des erreurs, même que c'est déjà pas chaud là, halakha. Combien de gens ils font des erreurs, même dans la lecture de la Yelkout Yosef. Il paraît que c'est facile. C'est, tu peux lire bien. Et tu lis bien, ça va. Alors quoi, celui-là, celui-là maintenant, qui est parti à Tel Aviv, pour revenir à lire. Attends, maintenant c'est le deuxième cas. Il n'a pas fait les brachot. Quand il est parti, il était de Tel Aviv. Il est rendu quitte, lui? Non. Lui, il est rendu quitte, c'est pour ça qu'il ne veut pas lire. Sheba Mitel Aviv et No Racha Elikrot le Yom Tedva. Ok, il est rendu quitte. Ze Shalach, le Meyouchad de Tel Aviv. Ah, même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'a pris un ami, mais les brachot, il ne les dit pas. À Jérusalem aussi, il ne les dit pas? À Jérusalem, il va les dire. À Jérusalem. Il peut les dire. Ouais, à Jérusalem, il va les dire. Mais s'il a dit les brachot là-bas, il ne peut plus les dire. Non, il n'a pas le droit de faire les brachot. C'est pas grave, le batala. Non, mais s'il n'y avait pas un autre qui lit les brachot, parce qu'il a dit c'est mieux qu'un autre fasse les brachot. Maintenant, un guide, c'est lui qui a dû faire le brachot. Il n'y en a pas un qui s'est fait le brachot. Mais quand il vient à Jérusalem, il ne pourra pas dire le brachot. Mais c'est dit, d'accord, selon quel... Attends. Selon quel halakha, lui, il peut le rendre quitte? Quoi? Shoma Kone? Non, Shoma Kone, oui. Mais lui, il n'est pas haya. Comment il peut? Nahon, dit Shoma Kone. Même qu'il n'est pas haya. Il peut l'utiliser de Khobachrim. Il te manque quelque chose. Il dit Narvout. Ah oui. Dans les mitzvot, il y a Narvout. Dans le Kataknéanim, il n'y a pas dit Narvout. Maintenant, Azlama, pourquoi celui-là, qui est parti de Jérusalem, tu vas la rendre quitte, excuse-moi. Ta femme, tu vas la rendre quitte maintenant, de Mikra Megillah. Ouais. Toi, tu as déjà fait la Mikra Megillah. Tu peux faire la Bracha, la rendre quitte après de Mikra Megillah. Tu vas y aller à la maison. Tu vas prendre la Megillah et tu vas lui dire, oui. Alors je te rends quitte. Maintenant, la bracha, qui c'est qui lui dit, toi ou elle? Elle. Ah, non, c'est toi. C'est toi que tu es censé faire la bracha, eux ils répondent Amen et c'est tout. Pourquoi? Il y a des c'est des haramim. Non, parce que ça s'appelle. Et j'ai un safek moi, est-ce que je peux lui faire ou pas? Parce que c'était. Non, c'est. C'est parce que je dis Narvout. Maintenant, je suis là, si maintenant la femme aussi elle dit Narvout. Alors, sauf, c'est chaud. Bah, t'es beau, Toanès, Ken. C'est Alzey Tabati, la guide Ken. Top. Mais comment, mais Toanès, c'est ma chouache. Si toi, t'es pas rendu quitte. Mais comment tu la rends quitte maintenant? Même que tu es rendu quitte. Il dit, ma, tu la rends quitte. Arvout. Maintenant, c'est un sapex. Si maintenant la femme, elle a dit Arvout. C'est pour ça. Arvout, qu'est-ce que ça veut dire Arvout? C'est pour ça que je dis non, moi. Et Robin, qu'est-ce que ça veut dire Arvout? Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire Arvout? Arrivim Zalazé. Vas-y, Arrivim Zalazé. Hein? On est un. On est un. Arabi, c'est pas un. Qu'est-ce que veut dire Arabi, Emmanuel? On est garant. Mémé. Oh, le calme mémé. Elle veut se rendre quitte du kidouche. Tu peux lui faire faire la kidouche? Et même quand tu ne bois pas le kidouche, elle boit, par exemple, le jus de raisin, sans sucre. Elle peut le boire? Si elle peut le boire, tu peux faire le kidouche et tu lui donnes qu'elle boit. Il n'y a aucun problème, même que toi, c'est conseillé qu'elle ne boit, pas toi. Parce que sauf, toi, tu n'es pas rendu quitte. Si tu étais rendu quitte, tu as déjà mangé. Chez qui nous, je suis comme Seouda. Ici, qui c'est qui va la rendre quitte? Toi, tu vas rendre quitte la mémé. Tu ne vas pas boire parce que sauf, tu n'as pas encore mangé. Seulement si maintenant tu restes chez elle, tu prends un réveil de vin. Mémé, je te rends quitte. Comment? Elle ne peut pas prendre du vin. Elle est obligée de faire qui de jeûne comme Seouda. Toi aussi, tu dois faire qui de jeûne comme Seouda. Ça ne suffit pas que quand toi, tu lui as fait un qui douche, Ken, et tu as bu ce vin, après que toi, tu as bu un Revi'it, que toi, puisque maintenant, tu dois rentrer chez toi, refaire le qui douche pour ta femme et tes enfants. Quand tu fais qui douche jeûne comme Seouda, ça veut dire quoi, jeûne comme Seouda, qu'il y a du pain, hein? Alors là, tu as besoin de Rovrevit. Rovrevit, c'est 44 millilitres. Mais si maintenant, toi, tu n'as pas mangé des maisonnotes, tu vas boire rien qu'un verre de vin. Et tu veux considérer ça maintenant que Kiddush vient comme Seouda. C'est le Kiddush, un endroit que tu manges. Parce que le Kiddush, il faut être. Il faut savoir, selon le Kiddush, pour te rendre quitte du Kiddush, il faut que ça s'appelle Kiddush vient comme Seouda. Ça veut dire où tu prends des maisonnotes, où tu prends
un Rov Revi'it. Un Revi'it, excuse-moi. D'après les Géonim, c'est deux Revi'iot. Alors maintenant, comme tu es vers mémé, et mémé, si elle te donne des gâteaux, 30 grammes de gâteaux, 27 grammes de gâteaux, alors il y a encore problème. Toi, tu prends ton vin, tu prends Rov Revi'it du vin, et tu, après, mémé, elle va te donner gâteau. Toi, tu es rendu quitte de la mitzvah qui douche vim comme Seouda. Mais tu n'es pas rendu quitte de la mitzvah de manger du pain. Quand tu vas y aller chez toi, après que tu as fait qui douche à tes enfants et à ta femme, là, tu es censé faire motzi. Parce qu'il faut que tu manges trois fois par jour le Shabbat du pain. Que c'est écrit dans la Torah, trois fois, ayom, ayom, ayom. Alors, même là, tu es censé à manger trois fois et il y a du temps précis, ça veut dire la nuit, le matin et après Mincha, après la tfila de Mincha aussi. Mais non, quand tu as fait le kidouché mémé, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es rendu quitte, rien qui douche, puis comme c'est si j'ai bu, si j'ai bu Revi'it. Si mémé, elle peut pas boire ni le vin ni le jus de raisin. Alors tu prends un Revi'it et pas un Rov et pas un Rov Revi'it. Revi'it, pour que je Revi'it, c'est 86 millilitres. Si j'ai pas bu ça, je suis pas yoté. Mikidouche comme Zouda. Ou c'est conseillé, excusez-moi, de prendre deux Revi'it. D'après les Géonim. Les Géonim, tu prends deux Revi'it. Deux fois 86 millilitres. Comment? Il faut le faire, il arrive chez sa femme toute défoncée et c'est la fête. Ok. Masoret beyadenu she'ir lo deita mukhefet choba bimei Yoshua ben Nun. Selon la transmission, la ville de Lod, elle est, même qu'elle n'y a plus de murailles, sauf à l'époque de Yoshua, elle était entourée de murailles. Rafa pichet toshvei Lod shevet ben Nun ikero medina beyud dalet bevracha ve'arzeu likot betet ba belibara. Même cela, ils doivent. Et que Lod comme ça. Pareil que. Okay. Il y en a qui disent à Tel Aviv aussi, mais en Tel Aviv, il faut faire le 14. Mais pour Lod, puisqu'on est dans un safet, qu'est-ce que nous allons faire? Eux, ils doivent lire la Megillah le 14 avec Bracha et le 15 sans Bracha. Je dis, na, que dina, yrod, me soupakot. Na, razon, na, chon, dino, kol, dine, apuri, me michte, me simcha, 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 eux, ils sont dans une ville Mesupeket, Besapek. Mais là, ils vont faire le 15, cela de Lot, Bemisapek. Sans bracha. Razakabou.